Comment tester vos nouvelles idées ? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des habitudes simples et à l'efficacité prouvée pour devenir plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une idée toute simple qui peut vous aider à tester vos nouveaux projets, nouvelles idées, nouveaux produits, de façon à savoir à l'avance si ce nouveau projet, cette nouvelle idée, ce nouveau produit va réussir. Ce concept, c'est tout simplement le test à petite échelle. En fait, je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos du principe de Monsieur Connard. Qu'est-ce que c'était comme principe ? Eh bien, le principe de Monsieur Connard, c'était d'exploiter l'idée de Édouard de Bono dans son livre « Les six chapeaux de la réflexion » et de dire « Tiens, il ne faut quelqu'un autour de moi, dans mon entourage, qui porte le chapeau noir. » C'est-à-dire, c'est les personnes qui vont pouvoir me dire, quand j'ai une nouvelle idée, que cette idée est une mauvaise idée. Et pourquoi ? C'est-à-dire, me permettre de voir quelles sont les failles. J'ai déjà abordé cela dans une précédente vidéo sur la même chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder, c'est le fait que, quand vous avez cette nouvelle idée, ce nouveau projet, vous n'allez peut-être pas tout de suite passer à l'étape aller chercher Monsieur Connard pour qu'il vous dise en quoi c'est une mauvaise idée. Vous avez peut-être envie, en fait, d'élaborer et d'affiner un petit peu votre idée avant de la soumettre à la critique. Et pour élaborer et développer cette idée, vous avez deux choix. Le choix numéro un, c'est de partir dans votre cave, dans votre garage, dans votre laboratoire et de travailler sur ce projet dans l'anonymat le plus complet jusqu'à ce que vous ayez une première version bêta. Et cette version bêta, vous allez ensuite la présenter au monde. C'est une possibilité, mais c'est une possibilité en fait qui est très coûteuse en temps et en énergie. Et c'est pourquoi je recommande en général de ne pas procéder ainsi. Ce que je vous recommande, au lieu de travailler en isolation et ensuite amener au monde, c'est de commencer à poser votre idée tout simplement sur la forme d'une fiche impact. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche impact ? C'est en fait un résumé de l'idée. J'ai déjà abordé la technique de la fiche impact dans une précédente vidéo, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Je vous l'ai expliqué dans le contexte de la délégation. La fiche impact, c'est une façon de décrire un projet en disant qu'est-ce que c'est, quel est le contexte dans lequel on a eu l'envie de créer ce projet, à quoi il sert, pourquoi il est important, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe si on réussit à merveille, quels sont nos critères de succès, de qui on est dépendant pour faire ce projet et à qui on passe le relais. Et en fait, donc tout ça, je l'ai développé dans une autre vidéo, je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus aujourd'hui. Ce que je veux vous montrer, c'est que cette façon en fait de déléguer le projet en créant la fiche qui permet de le décrire pour que quelqu'un d'autre puisse le prendre en main, c'est aussi une très bonne façon de se décrire à nous-mêmes le projet pour savoir un peu dans quelle direction on va, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, quels sont les critères de succès de notre projet, qu'est-ce qui font que ça sera une réussite. Et ensuite, en fait, une fois que vous avez ça, ça tient sur une feuille A4 en fait, ça tient sur une page de texte, ce descriptif du projet, ça prend une heure peut-être de réfléchir et de l'écrire, eh bien, vous pouvez maintenant commencer à échanger avec des personnes de confiance qui vont servir de ce que nos amis américains appelleraient une sounding board. En français, on dirait une caisse de résonance, c'est-à-dire vous permettre, même si ces personnes ne sont pas expertes, n'ont pas forcément un avis d'expert à apporter sur votre idée, vous permettre juste de la dire à haute voix. Vous renvoyez juste ce que vous dites en reformulant, juste hocher de la tête, mais que vous, ça vous permette de l'exprimer, votre idée. Et pour moi, un des principes les plus importants de la littérature qui s'applique aussi à l'entrepreneuriat, c'est un principe de Boileau qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Autrement dit, quand quelque chose est clair dans votre cerveau, vous pouvez l'énoncer et l'expliquer d'une façon qui est claire pour quelqu'un d'autre. Et un bon test pour savoir justement si votre idée a suffisamment de clarté pour que vous puissiez passer à l'exécution, c'est d'abord de faire le test d'être capable de l'expliquer à voix haute à une personne de confiance. Et ce, même si on n'attend pas du tout de retour de cette personne, juste voir si on arrive à communiquer notre idée. La fiche impact, c'est donc un bon moyen de poser sur le papier ou sur ordinateur notre idée avant d'essayer de la communiquer pour la clarifier. Et c'est le test à plus petite échelle qu'on puisse faire parce que ça nécessite un budget d'exactement 0 euros. Bon, allez, peut-être un crayon et un crayon à papier et une feuille de papier, voilà.
que vous pouvez récupérer chez Ikea. Vous allez à l'entrée, vous piquez un des crayons qui servent à noter la liste de courses. Voilà, hop, voilà, vous avez un crayon gratuit. Voilà, une feuille de papier gratuite. Vous prenez le dos de votre, récépissé quand vous allez faire les courses. Et voilà, vous avez une feuille de papier et un crayon pour 0 euros. Et maintenant, vous pouvez faire en fait le premier test de votre idée. Avant de devoir créer un prototype, avant de devoir aller voir un banquier chercher un financement, avant de commencer à tourner des vidéos, chercher des investisseurs, créer le produit ou la chose, vous pouvez déjà tester votre idée de cette façon-là dans votre tête et dans la simulation qui consiste simplement à l'expliquer de façon claire. C'est la première étape pour qu'un projet ait le maximum de chances de succès. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite qui explique en détail cette méthodologie de la fiche impact. Vous en trouverez le lien dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'êtes pas abonné pour recevoir mes vidéos des rituels de l'entrepreneur libre, sachez que j'en publie une chaque jeudi et qu'en cliquant sur un des liens que je vous mets aussi dans la description de la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez en fait vous abonner. Ça me permet en fait de vous envoyer gratuitement la nouvelle vidéo quand elle sort chaque semaine. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, dans ce livre, je vous apprends comment développer votre entreprise et fidéliser vos clients tout en vous libérant du temps. C'est tout un programme que j'enseigne dans le livre et dans de nombreux bonus en complément du livre pour vous aider à appliquer mes conseils. Tous les détails se trouvent aussi dans la description de cette même vidéo. On se retrouve jeudi prochain, à très vite. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que les gens s'intéressent à notre message. Et une des façons les plus importantes dont vous pouvez faire en sorte que les gens s'intéressent à votre message, c'est de le faire au travers d'une...